Bonjour à tous et bienvenue sur les conseils d'Isa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer vos données internes, enfin vos données pas personnelles, mais ouais si vos données personnelles en fait, parce que vos données coûtent de l'argent, notamment grâce aux services en ligne gratuits. Donc, vous allez vous ouvrez Internet et vous tapez www.yesprofile.com et vous descendez. D'abord, vous le mettez en français, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, pardon. Hop. Et ensuite, vous descendez jusqu'à ce que vous voyez votre profil est déjà loué. Vous cliquez sur Calculer. Alors, donc là, on fait ça à partir d'un simulateur. Donc, première question, combien d'adresses e-mail personnelles avez-vous? Donc, vous mettez votre réponse. Moi, je vais mettre... J'en ai une, j'en ai ouais, plus 3. Quelle est l'année de création de votre email principal? Oula, ça devait être. Oh, je sais pas, 2009, je crois. Quel est le moteur de recherche que vous utilisez le plus? Google. Combien de recherches sur Internet effectuez-vous par jour? Oula, 5, je crois. Plus de 5, je pense. De quels réseaux sociaux êtes-vous membre? Donc Facebook, Twitter, Pinterest. Voilà. À combien estimez-vous le nombre de publicités spam que vous recevez sur votre adresse email par jour? Par jour, je dois en recevoir au moins 5, non 10, je pense. Sur quel autre support recevez-vous aussi de la publicité? Les bannières publicitaires sur Internet. Non, pardon. Le courrier papier. Et c'est tout. Achetez-vous sur Internet? Je dirais une fois par... Bon, une fois par mois. En tout cas, assez, je pense. Quelles utilisations faites-vous de votre smartphone? Je n'ai pas de smartphone. Avez-vous une ou des cartes de fidélité? Oui, 3 et plus, ça c'est sûr. Et vous cliquez sur calculer. Alors, mon profil génère sur le marché 123,34 €. Voilà. J'espère que ce petit tuto entre guillemets vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto sur les conseils d'Isa. Pour être au courant des dernières actualités, vous pouvez me retrouver sur ma fanpage Facebook, ainsi que sur Twitter, ainsi que sur mon blog où toutes mes vidéos sont publiées, et ainsi que sur YouTube. À bientôt sur les conseils d'Isa.